Mes chers enfants, je me présente à vous, c'est Anzette, sœur Josette, compagne de Jésus. C'est une grande, grande, grande joie que votre père m'a offert aujourd'hui de venir me voir. Ça me fait revivre un peu Roger, qui était un frère spécial, qui a eu une empreinte particulière sur notre éducation comme fille de la famille. Je suis heureux de le voir, vraiment. Et je souhaite que vous soyez des enfants fidèles aussi pour pouvoir faire votre chemin, suivre votre vocation de votre vie et rester très près du bon Dieu pour être des apôtres du bien sur cette terre en attendant de nous revoir un jour dans la maison de notre Père des cieux. Je suis content de voir votre papa, ça me fait beaucoup plaisir. Luttons pour être des apôtres, pour être des apôtres de bien. Faisons du bien, non pas pour être récompensés, ni être félicités, mais pour la gloire de Dieu. Soyons ce que nous devons être de notre vie pour la gloire de Dieu. Et ceci avec tout le monde, sans exception. Blanc, noir, rouge, peu importe, une création de Dieu qui possède l'Esprit de Dieu, donnons-lui une attention toute spéciale. Je suis heureuse vraiment ce soir, je ne m'attendais pas à ça du tout, de voir votre papa et de voir ses amis qui ont poussé leur générosité jusque-là, venir juste dans la campagne de Léogane me voir. Je suis heureuse d'avoir une pareille famille. Je dis merci au Seigneur. Quand je prie pour ma famille, je vois jusqu'où ça va. Faites de même vous autres aussi, priant les unes pour les autres. Choisissons toujours le bien. Et surtout, n'oublions pas de regretter le mal que nous avons fait, de demander pardon au bon Dieu. Soyez certains, il ne cessera jamais d'être votre Père. Il est mort sur la croix pour nous, il nous a aidés. Soyez certaines, une fois que vous reconnaissez ce que vous avez fait qui n'est pas correct dans votre vie, Jésus ne sera jamais loin de vous. Je vous souhaite de continuer votre vie chrétienne, de continuer à aimer votre papa, votre maman, toutes les créatures qui sont sur la terre, dans la mesure que vous pouvez. Mais n'oubliez pas vos obligations envers votre famille. Je vous dis au revoir. Votre papa m'a promis de retourner. Je ne sais pas s'il me trouvera. Je doute fort. Mais alors, en tout cas, ce jour-là, même si je ne suis pas ici, quand il viendra de là étant où je suis, il n'aura qu'à jeter un regard. Je le rencontrerai aussi.